Soyez concentrés. Soyez concentrés. Elia. Elia. Alléluia. Elia. Ah. Elia. 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 Siméon a vu Jésus-Christ. Elia. Continue la chorale. Elia. Siméon a vu Jésus-Christ. Elia. Il a dit. He said. Je veux le Elia. Now I can die. Elia. Malgré les problèmes, malgré les situations, nous devons juste être contents à cause de Jésus-Christ. Je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas de comportement. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Now you're there, oh, I'm a son.
We are going to meditate. Encore la Bible de l'homme. Take the Bible. 1 Jean 4, verset 18. 1 John 14, verse 18. 1 Jean 4, verset 18. 1 John 4, verse 18. Soyons concentrés. Because John est dans le cœur. C'est ça. You can sing inside you. J'attendrai. C'est ça mean I will wait for your glory upon my life. Chaque personne a quelque chose où tu lui s'engages. Mais nous avons la passion. Chaque personne, même Jésus-Christ lui-même, il a fait son rêve. Ceux qui étaient avec le Seigneur le mardi, ils ont compris. Même Jésus-Christ, il a fait le problème. Chaque personne, a eu une situation. Ta parole qui donne la paix, ta parole qui donne la garantie, ta parole qui donne la certitude, ta parole qui donne la vie éternelle, ta parole c'est la vérité. Père, manifeste ta parole et que ta parole rentre dans le cœur de ma sœur, que ta parole rentre dans le cœur de mon frère par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, je sanctifie cette phrase par le sang de Jésus-Christ. J'enlève l'esprit de distraction. Permets mon Père que tes enfants écoutent cette parole afin de fortifier notre foi, mon Père. Jésus-Christ, que mon âme du bon noyau par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire maintenant la parole de Dieu. Qui peut lire, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 4, verset 18 en français? 1 John. Et bien moi je peux lire en anglais. And I am reading in English. Soyons concentrés. Be concentrated. Au même moment, on chante cette chanson et lit à notre cœur. Donnez-nous la parole de l'Éternel. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La parole de l'Éternel. Alléluia. Je vais dire en anglais. There is no fear in love, but perfect love casts out the fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que sa présence soit ici. La Bible dit ceci, que là où deux ou trois personnes se rassemblent en son nom,
That where two or three are gathered in his name. Le Saint-Esprit est au milieu d'eux. The Holy Spirit is among them. Lorsqu'on croit à la vérité de sa parole. When you believe in the truth of his word. Sa parole se manifeste. And the word is au milieu de nous. Is always shown. Et aujourd'hui nous sommes satisfaits. Today we are satisfied. Parce que le Saint-Esprit est ici. Because the Holy Spirit is here. S'il y a une sœur. If there is a sister. S'il y a un frère. If there is a brother. Qui a une situation. That is facing it. C'est aujourd'hui maintenant. Is today. Il faut continuer à méditer cette chanson Elia. To continue. Pendant qu'on est en train de prêcher, Dieu sera là concentré. Et regarde maintenant par ta foi and see by your faith, la réponse que le Seigneur te donne. The answer that the Lord is la vie commence par l'esprit. The life starts with the spirit. Tout commence par l'esprit. Everything starts with si tu veux spirit. Recevoir la guérison, if you want to receive il faut d'abord confesser cela par l'esprit. You have to confess it in si the tu spirit. Veux avoir l'argent, if you want to have money, il faut voir l'argent dans l'esprit. You have to see money. Chaque chose que tu veux recevoir, everything that you want il faut confesser cela. You have to confess it. C'est ça, il faut croire que tu l'as déjà reçu. You have to believe that et après, ça va se manifester maintenant physiquement. After you need to show Jésus-Christ a dit ceci. Jesus said this. Heureux ceux qui croient sans pourtant voir. He said, heureux ceux qui croient sans pourtant voir. Heureux, happy those who believe without seeing. Parce que Saint Thomas voulait voir clair avant de croire que Jésus-Christ est lui qui est ressuscité. Because Thomas wanted to see that Jesus. Mais Jésus-Christ a dit, oh Thomas, toi pour croire, why you? Il faut que je te démontre. I have to ask. Heureux ceux qui croient sans pourtant voir. Happy those who believe. Mais nous nous croyons d'abord parce qu'on a vu quelque chose. Because parce qu'on a vu un miracle. Là maintenant on croit. Lorsqu'on voit un miracle, on commence à courir vers le miracle. Alors qu'on devait d'abord voir dans l'esprit. Et c'est ça qui nous embrouille. Voilà pourquoi on se trouve parfois dans des endroits de fétiches. Voilà pourquoi on se trouve parfois dans des endroits de sangomba. Pourquoi? Parce qu'on veut voir d'abord avant de croire. Et lorsqu'on court vers ça, on est déjà trop tard parce qu'on se trouve déjà dans le camp. Mais ici où nous sommes, where we are now, je le crois I believe que nous croyons that we believe avant de voir. Alléluia. Ici dans le livre de 1 Jean 4, here in the book of vous savez que le mardi passé, you know that nous avons parlé de l'œuvre de la croix. We did say about the work of the cross. Et nous devons croire à l'œuvre de la croix. And we have to believe on the work of the cross. Nous avons parlé que Jésus-Christ we did talk about Jesus Christ était attristé that was distressed le jour the day de son arrestation. That they were going to Jésus-Christ Jesus Christ a voulu changer d'avis. Wanted to change his mais il a prié. But il a dit ceci. He said this. Pas ma volonté, mais ta volonté. He said not my willing, but Jésus-Christ a demandé à ses disciples de prier pour lui. Jesus did ask to his disciples to mais les disciples dormaient. And his disciples mais comme il était temps de l'arrestation. But when he came the time to le temps de l'arrestation, c'était le début de la délivrance de toi et moi. That means the beginning of il y avait déjà dispensation. Donc, le moment où l'arrestation arrive, the moment où they came c'est le moment où la délivrance avait commencé. Alléluia! Jésus-Christ maintenant dit ceci. Jesus said this. Vous pouvez maintenant dormir. You can sleep. Parce que je vous demandais de réveiller pour prier pour moi. Mais quand je le faisais, vous vous dormiez. Maintenant, j'ai vu l'arrivée de l'arrestation. C'est le début de votre délivrance. C'est le début de votre paix. C'est le début de votre guérison. Il dit, vous pouvez maintenant vous relaxer. Il est temps maintenant. Moi, je vais maintenant pour vous délivrer. Ça commence. C'est ça ce que nous avons vu le mardi passé. Ceux qui étaient ici, ils ont compris le détail. Parce que nous étions partis jusqu'à la jeunesse. Et nous avons évolué au temps de Noé, au temps d'Abraham. Et nous sommes arrivés jusqu'à la nouvelle alliance. Aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer. Vous devez comprendre que le Seigneur veut nous donner quelque chose. Mais la chose qu'il veut nous donner est conditionnée par la compréhension de ce message.
La chose que le Seigneur veut nous donner est conditionnée par la compréhension de ce message. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire la mélodie doucement. Moi, j'ai une onction par la musique. Vous devez me comprendre. Je m'excuse pour la première fois. Mais l'onction en gaïe est là dans la musique. Mélodie kaka. Au chanter, c'est mélodie kaka. Mélodie kaka. Sainte. La C. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le livre de 1 Jean 4, in the book of John 4, verset 18, until 18, on nous enseigne que la peur est pour fear, les incroyants. Fear is for the one who mais nous ici, believe. Nous sommes des croyants. But as we are believers, nous sommes des chrétiens. We are Christians. Jean est en train de dire John is saying, que la peur c'est un signe des incroyants. That the fear is the sign of celui qui a l'amour de Dieu, the one who have the love of et God, celui qui est dans l'amour de Dieu, and the one who is in the love of peur. God, it does not fear. Quel est le but de ce message? What is the topic of this le but message? De ce message? The topic of this c'est de nous amener à un niveau de foi. It will take you to a qui fera que même toi-même quand tu vas prier, that you make le miracle va s'opérer. When you pray, alléluia. Le but de ce message. The topic of this vous comprenez message, que le mardi you understand that et le jeudi, il y a une alliance. Et le dimanche, il y aura une alliance. There will be a covenant. Le dimanche, ce sera la Pentecôte. And the Sunday mais lorsqu'on rate le début de ce message, when you miss the beginning of this je ne sais pas comment on peut recevoir la Pentecôte. I don't know how you receive the Pentecôte. Donc ici le message d'aujourd'hui, the message c'est pour enlever l'obstacle. Is to remove the obstacle. Nous avons cru. We believe. Alors, it takes us back de l'œuvre de la croix. Of the work of the cross. Dieu a promis l'abondance. Jesus did Dieu a promis le mariage. He promised Dieu a promis le travail. He promised Dieu a promis l'argent. He promised Dieu money. A promis la guérison. He promised healing. Mais lorsqu'on regarde la réalité de notre vie, but when we look at the reality, la guérison n'y en a pas, il y a la maladie. L'argent n'y en a pas, il y a la pauvreté. Tout ne marche pas. Nothing is et qu'est-ce qui se passe maintenant? What is going on? Le doute arrive. The doubt, la peur arrive. The fear et le diable gagne. Le message d'aujourd'hui, ceux qui seront concentrés avec le Saint-Esprit, ils comprendront qu'ils vont atteindre un niveau où ils auront la puissance de déclarer les choses et qu'ils vont arriver au nom de Jésus-Christ. La peur, c'est l'ami du diable. La peur, c'est l'ennemi de la foi. C'est ce que je veux vous maintenant démontrer. Regardez maintenant, je vous amène à une, dans une dimension. Soyons concentrés s'il vous plaît. Je commence par un exemple. Avant de continuer, je commence par un exemple. Dans la relation entre le père et l'enfant. The relation between the father and the child. Je vois la relation entre Dieu et toi. I'm seeing the relation between je vois God la relation and entre l'époux et l'épouse. I'm seeing the relation between je vois la relation Christ. Entre Jésus-Christ et l'Église. I'm seeing the relation maintenant, between je prends cette relation là sur terre. And now I'm taking le père et l'enfant. Ton père maternel. Ton père fraternel. Ton père biologique et toi. Voilà, c'est là où je suis. Where I am now. Dans votre maison, in your house, vous êtes à 3 ou 4. You are 4. Vous avez un papa. You have vous avez mother. Une maman. You have a mother. Maintenant regardez. And look, vous êtes 4. You are 4. Peut-être toi tu es la 4e. Maybe you are the 4. Mais ton père t'aime beaucoup. But your father loves you. En comparaison avec les autres enfants. Compared to others. Maintenant, comme tu sais que ton père t'aime beaucoup, because you know that your father loves tu n'auras pas peur de ton père. You are not soyez connecté avec father. Moi. Be tu n'auras pas peur de ton père. You are not going to fear parce que tu sais qu'il t'aime beaucoup. Because you know that he loves papa you. N'a pas l'air d'un ami. My father loves quand tu vas faire le mal, when you are going tu auras le courage d'être dans la maison de ton père. You have the courage pour expliquer la vérité parce qu'on a la salle égoïe. To tell him the truth. Pourquoi parce que tu es convaincu que ton père t'aime. Because you know that he le jour où tu comprendras que ton père ne t'aime pas, the day you know that your father quand tu comprendras que ton père te hait. When you know that your father hates et quand tu comprendras que ta mère te hait, when you understand that your mother hates tu n'auras pas la volonté et le courage you are not going to have that d'exprimer tes problèmes,
to come and tell pour les jeunes filles, ce serait difficile. For the young girls, même de parler à leur maman qu'ils ont eu un copain. Even to take to tell their ils vont cacher leur secret. Maintenant, l'enfant cache le secret. When the child l'enfant commet un péché. L'enfant commet un péché. When they l'enfant make a fait une erreur. When they make il n'arrive pas à expliquer l'erreur à son père. Not able to il n'arrive pas à expliquer l'erreur à sa mère. He's not able to pourquoi? Say to parce the que la maman because the mother l'a abusé par les paroles. The mother abused her. Pourquoi? Parce que le papa because the father l'a abusé par les paroles. Abuse her with ça a créé quoi? La peur. He did maintenant, qu'est-ce que la peur ici maintenant? What is fear here? La peur, c'est une émotion. The fear is the c'est emotion. Une émotion négative. It's a negative emotion. Qui est causée? That was caused par l'idée de la punition. By the idea of punishment. Qui est causée? That was par l'idée de la douleur. By the idea qui of est causée? But that par was caused l'idée des souffrances. By the idea of lorsque suffering. Vous voyez la souffrance, when you are seeing lorsque the suffering. Vous voyez la haine, when you are seeing lorsque the vous voyez la punition, when you are seeing et ça vous donne maintenant la peur. It gives you the fear. Vous voyez que le père va vous tuer you see that your father is à cause de ceci, cela. Of the mistake. Mais lorsque vous êtes convaincu when you are convinced de l'amour de votre papa, of the love of your vous father, n'aurez pas peur de la punition. You are not going to fear. Même la punition de votre papa. Even the, ça va vous donner la force. Même la punition de votre maman, even the ça vous donnera l'amour encore d'aimer votre maman. It will give you the love, parce que vous comprenez que la maman est en train de faire ceci you understand that the parce qu'elle-même ferait ici ceci maintenant nous sommes. That we j'ai pris l'exemple ici sur terre. I take the example vous comprenez maintenant dans l'esprit. For me to take maintenant je pense maintenant dans l'esprit. Now I go back to the spirit. La Bible dit ceci. The Bible says this. Que la peur, c'est pour les incroyants. That the fear is for maintenant, pourquoi la peur? Why the fear? Ma soeur, pourquoi la peur? My sister, why pourquoi the fear? Pourquoi la peur de la mort? Why the fear of pourquoi death? La peur de divorce? Why the fear lorsque of vous savez qu'avec Dieu, il n'y aura pas de divorce. When you know that pourquoi God la peur de la maladie? Why the fear pourquoi of la peur de la pauvreté? Why the fear lorsque of vous savez qu'avec Dieu, you know, il n'y aura pas la pauvreté. Maintenant, j'ai voulu encore. Pourquoi la peur de Dieu? Why the fear on avance maintenant. Dans le livre de Proverbes, chapitre 9, in the book of il est dit ceci, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. That the fear of je vais maintenant développer ça pour coordonner le message. For you to la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. The fear of God is alors the knowledge. Que la Bible, alors que la Bible, unless the Bible, alors que la Bible est le dictionnaire. The Bible is the dictionary. Même le dictionnaire. Even the dictionary. Il nous donne la définition de la peur. They give us the vous meaning pouvez of lire fear. Cela bien. You can mais si la Bible way. Nous dit que la crainte de Dieu veut dire la peur de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Here the Bible is telling us vous that the fear of God. Vous voyez ici? La définition de la peur prend un sens négatif. The fear on a of peur God de la chose qu'on n'aime pas. We have the fear of things we don't love. On a peur de la chose qu'on n'aime pas. We fear the things that we don't love. On a peur de la chose qui est dangereuse. We fear of something that is on a peur des ténèbres. We have fear of on a peur des ténèbres. We have, on we a have peur fear des gens que vous savez que celui-là c'est un bon. Ça veut dire la peur, c'est fear. Une émotion négative. It's a negative qui est causée that cause par la présence d'un mal. By the presence mais of non, Dieu ici, la Bible nous dit ceci. But God que il nous a aimé that he loves us avant la fondation du monde. Before the foundation donc of le Seigneur God, Jésus-Christ, il nous aime. The Lord Jesus Christ pourquoi craindre Dieu? Why alors nous devons comprendre que ça veut dire ici la crainte de Dieu. We have to understand what is the fear of God. Voilà, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Êtes-vous avec moi avant que je continue? Are you with me before I continue? La crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord. Ici le mot crainte. Ici le mot crainte. Here the word. Veut seulement aussi dire peur. It just means fear. En anglais c'est fear. In English is fear. Voilà. Maintenant, ici ça veut dire. Here it said. La crainte de Dieu veut dire ici. The fear of God wants to say. Le respect. The respect. Le respect. The respect. L'obéissance. The obedience. La soumission.
to be à la parole de Dieu. Of the word of God. C'est le commencement de la sagesse. Is the beginning of the knowledge. Avec votre papa. With your father. Le papa ici sur la terre. The father on this earth. Si vous l'aimez. If you love him. Vous allez l'obéir. You obey him. Si vous l'aimez. If you love him. Vous serez soumis à l'instruction de papa. You will be submit to his instruction. Parce que vous n'arriverez pas à décourager votre papa. Because you can't discourage your father. Vous l'aimez trop votre père. You love your father a lot. Vous n'allez pas accepter de le décourager. You don't accept. Vous allez obéir aux instructions de papa. You obey to his instructions. Et cela va se faire sans force. And that one you do it. Parce que vous l'aimez beaucoup. Because you love. Quand vous êtes seul dans la lutte. When you are alone. Vous allez commencer aux instructions de votre père. You think about the instructions of le papa father. N'est pas là. Your father is not. Et quand vous voulez faire du mal, when you want to do, vous allez dire mon père m'a dit ceci. You will say my father que je ne dois pas faire ceci. That I'm not supposed to do. Parce que c'est mon père. Because it's my father. Alléluia. Alléluia. Donc ici, la crainte de Dieu, the fear of the Lord, veut dire le respect de Dieu, want to say the respect of la soumission God, vers Dieu, the la soumission God, à la parole de Dieu, the le respect de la parole de Dieu, the respect of the word of c'est God, ça le début de la sagesse. Is the beginning of the maintenant, le diable knowledge, connaît la parole, and the devil knows et maintenant, il manipule la parole. And he manipulates qu'est-ce qui se passe? Je veux maintenant à l'étape 3. Qu'est-ce qui se passe? La crainte maintenant dans votre tête. The fear in your head. La crainte dans votre esprit. The fear in the spirit. Vous éloignez maintenant de la présence de votre père. Vous éloignez de la présence de votre père. The fear take you. Comprenez bien pour comprendre ce message. Vous devez prendre la représentation de votre père physique. Even in your message, la relation entre vous, votre papa et vous, pour comprendre ce message-là. The relation between you and your father. Maintenant, ici maintenant, le père, il vous aime. The father, il vous donne maintenant l'ouverture, he gives le pardon, he gives la tolérance, la miséricorde, il vous le donne. He gives you the qu'est-ce que le diable fait le secret ici? Qu'est-ce qu'il fait? What is the devil doing here? Le diable dit ceci. The devil said, regarde le péché que tu as commis l'année passée. See the sin that you commit last year. Regarde le péché que tu as commis hier. See the sin of yesterday. Est-ce que tu es sûr? Are you sure? Que Jésus-Christ va te recevoir dans sa chambre. That Jesus Christ will receive you in his. Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ va te recevoir dans son trône? Are you sure that Jesus Christ is going to receive you? Tu ne vois pas que Jésus-Christ va te tuer? You don't think that Jesus will kill you? C'est comme ça que maintenant Dieu commence, le diable commence à résonner. It's the way that le diable maintenant prend la peur. Il prend la peur. He takes fear. Comme instrument de t'éloigner loin de Dieu. As instrument to tu commences à voir les péchés que tu as commis dans le passé. You start thinking of this. Et tu te trouves. Parce que tu te trouves déjà dans le péché. Because you find yourself. Le diable te dit que tu ne mérites pas la miséricorde. You are not. You don't earn the miséricorde. C'est ça ce qu'on appelle ici la peur. That's what they call. Qui est maintenant manipulé par le diable. That is manipulated by the devil. Alors aujourd'hui. And today. La Bible nous enseigne ceci que la peur. The Bible is teaching us that the fear c'est pour les incroyants. Is for the non-believers. Maintenant, pourquoi les incroyants? Why the believers? Parce qu'ils savent que Dieu. Because they know that God n'est pas avec eux. Is not with them. Dieu, il n'est pas avec eux. C'est ça ce qu'ils pensent. God is not with them. Maintenant, now, ici, la peur. The fear ne devait pas être dans ta tête. The fear must not be tu sais que Dieu t'aime. Because you know that God loves you. Tu sais que Dieu t'aime. You know that God loves you. Dans le livre d'Isaïe, in the book of Isaiah, il dit ceci. He said this. Ne craignez pas. Do not fear. Parce que moi je vous aime. Because I love you. Je vous ai aimé avant la fondation du monde. I do love you before. Ne craignez pas. Do not fear. Et il dit encore dans le livre de Jean 3:16. He said it again in the book of John. Que il vous a aimé. He said he loves you. Mais lui, il vient maintenant ici aujourd'hui. And he came here today. Pour te dire que. To tell you that. Exprime-toi auprès de lui. That you must express. Présente ta situation auprès de lui. Take your situation. Présente ton péché auprès de lui. Present him your sin. Présente ta faiblesse auprès de lui. Present him your weakness. Ne dis pas que moi j'étais fumeur. Do not say I was a smoker. I was a drunkard. Moi j'étais coureur de jupons. I was. Aujourd'hui je ne mérite pas le pardon. Today I don't. Je ne peux même pas aller à l'église. I can't
quand non. Tu aujourd'hui, non. Dieu, maintenant, il nous dit ceci. Nous devons éviter la peur. That we have to parce que Jésus-Christ, il nous aime. Because Jesus Christ. Ce que nous allons faire aujourd'hui, that what dans notre prière, c'est de présenter tous nos fardeaux. Is to present all our parce qu'on a parlé de l'œuvre de la croix. Because we talked about et nous avons dit que notre situation doit être présentée au pied de Golgotha. Because we say our situation has to be on his feet. Maintenant, regardez maintenant. See now. Quel est le danger de la peur? What is the danger of fear? La peur. The fear. Enlève la confiance. Remove the confidence. La peur. The fear. Enlève l'espoir. Remove the hope. La peur. The fear. Amène ici maintenant. It bring le désespoir. Le désespoir. Become hopeless. Disperse. 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 So la peur ici te loigne même de ton camarade, de ta camarade. The fear separates you from your friend. La peur, je vous donne la conséquence de la peur. La peur ici éloigne la confiance. The fear take you far from. Maintenant, si vous aimez votre mari, if you love your husband, vous aurez la confiance. You have confidence. L'amour donne la confiance. The love donne si vous aimez votre ami, if you love votre soeur, your sister, il y aura la confiance. There will be confidence. Tu vas lui parler de tes problèmes, même de tes faiblesses. Problem, tu vas lui parler de ça. You tell her. Mais si vous n'aimez pas un frère, if you don't love il sera même difficile d'aller à sa fête. It will be difficult to go to the feast. It will be difficult for parce you to drink the water because you don't have it. Nulle la confiance. It removes. C'est ça le danger. That's et c'est ça ce qui se passe tout le jour dans notre vie. That's what is going on in our life. Ça éloigne la présence de Dieu dans notre it vie. Take us far from the et ça nous sépare même de nos frères. It separates ça nous sépare même de nos parents. It separates parce qu'on a reçu une prophétie qui dit que on a reçu une prophétie qui dit que ton père, c'est lui qui est en train de te faire. Because you receive a prophecy say that your il faut te donner de ton père. Il faut te donner de ton père. Voilà la you have to go far from your father. Il faut te donner de tes parents parce que ce sont you have to go far from your parents because vous ne voyez pas que ici le diable il amène la peur. You don't see that et il éloigne de la confiance. Tu auras même peur d'écouter même ton frère. And today your brother and your sister. Il faudrait que tu l'aimes. You have to love them. Si il a une situation contraire à ta volonté, if there is a situation, il faut prier maintenant pour lui. You have to pray for him. Afin so qu'il that, soit délivré. So that et les choses marcheront bien. And things will be c'est ça ce que ça veut dire ici. That's what it means. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. I don't know if you understand me. Yeah? La peur. The fear. C'est l'ami du diable. Is a friend of the c'est devil. Ça cette peur là qui fait que. Is that fear that même quand on prie pour toi, il n'y a pas la solution. When they are praying for you, there is no solution. Parce que en vous-même, il y a la peur. Because in you, there is fear. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prie pour vous, that what is making even today, il n'y a pas de solution for you, pour there's toi no parce solution. Que because la peur, the fear, c'est ça qui détruit la foi en vous. It what is destroying the faith in you. Jésus-Christ a dit ceci. Jesus said. Ta foi t'a guéri. That your faith donc ta foi il permet à ce que ça connecte avec mon sakoli yanzambe. Your faith is allowing to be connected la with foi te fait connecter avec le serviteur de Dieu. Your faith is connecting you with the servant of mais the Lord. Le diable amène le doute pour briser la foi. And now the devil is et c'est ça qui fait que lorsqu'on prie, on continue à prier, mais il n'y a pas de solution. That's why we are praying. À cause de la peur. Because of the fear. Mais cette peur-là vient pourquoi? Parce que le diable présente les erreurs que vous avez commis dans le passé. That fear came because the devil is presenting all your mistakes. Mais mardi, on a parlé de la rédemption. On Tuesday, we didn't talk about redemption. Oh, que j'aime ce temps de Galilée, parce qu'il a tout fait pour moi. Vous voyez, je me souviens de cette chanson-là. Cet homme de Galilée, Jésus-Christ, il a fait tout à la croix pour toi et moi. Jesus vous voyez? Christ did everything for you and I on the cross. Maintenant, nous devons bénéficier de now, l'héritage que Jésus-Christ nous a donné. Nous devons bénéficier de l'héritage que Jésus-Christ nous a donné. Now we have to hand the blessing that Jesus Christ gave us. We have the benefit of the inheritance of Jesus Christ from the work of the cross. Quand
est-ce que c'est possible quand je parle en anglais, vous pouvez aussi traduire en français? Dans mon ministère là-bas, quand je prêche, j'utilise deux langues. Je parle en anglais, je parle en français. Donc l'interprète, il est habitué. Donc il manipule la langue comme ça. Ah, c'est pas facile, hein? Mais on va s'habituer ici. C'est très beau. Alléluia! Amen. Voilà, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il fait de nous. Il make us. La puissance de guérison. The power of healing. Aujourd'hui, le Saint-Esprit fait de nous. Today, the Holy Spirit. La puissance de résurrection. Because the power. Parce que la peur est enlevée. Because the fear. Ceux qui sont avec ce message-là, la peur est enlevée. The power is removed. La peur. The fear. Ici. Here. C'est une barrière à votre salut. It's the barrier for your salvation. La peur ici, the fear here, c'est une barrière à votre pardon. It's the barrier to your forgiveness. Lorsque vous voulez recevoir le pardon, when you want to receive, mais vous avez la peur, and you have fear, jamais le pardon de Messiah ne viendra jamais. And the, lorsque vous avez la peur, when you have fear, vous doutez même de vous-même, you are doubting with vous yourself, constituez ici une frontière au salut. You are building a barrier. Donc barrière au pardon. The barrier to the forgiveness. Il n'y a pas de pardon lorsque vous-même vous doutez d'abord de vous-même. There's no forgiveness when you are doubting to yourself. Parce que la Bible nous demande de se pardonner d'abord soi-même. The Bible is telling us to forgive ourselves. Lorsqu'on a commis un péché, when we commit a sin, le premier pardon qu'il faut autoriser, c'est à vous-même. The first forgiveness is. Lorsque vous vous pardonnez vous-même, when you forgive yourself, ça vous donne la force psychologique. It gives you the strength. C'est comme un féticheur, it's like a sangoma, qui connaît quelque chose de mal en vous. That's not et il profite de cette chose-là pour vous frapper. And use ceux qui sont avec moi, donc, ce message est très critique, très important. This message is le féticheur va dire ceci. Moi j'ai ici le droit de vous frapper. He said, I have the right. Maintenant, quand en vous-même vous avez la peur, when yourself, you have fear, vous yourself, croyez au message du féticheur, you believe in his message. Aucune prière que vous allez faire va marcher. No prayer that will do. Ça ne peut jamais marcher. It will never work. Le féticheur va réussir. The ce qu'il a promis contre vous, ça va réussir. What is gonna do? Parce que vous croyez à ce qu'il dit et vous doutez. Because you believe to what he's saying, au pardon de Jésus-Christ, and you doubt to the forgiveness. Donc la peur, c'est une barrière au salut. The fear is the barrier to the salvation. La peur du péché que vous avez commis dans le passé. The fear of si ça sins, continue dans le présent jusqu'à présent. The si fear ça, of the sins, if you ça devient une barrière à la délivrance. It becomes a barrier. Ça devient une barrière au salut. Become a barrier to yourself. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. That's why the les Bible choses, says, les choses anciennes sont passées. The old things. Et on devient une nouvelle créature. The old things. Voilà maintenant les dispositions. Et c'est là où nous sommes. Le Saint-Esprit nous amène maintenant la chose. The Holy Spirit. Il nous amène la foi. Us. Il nous amène la guérison. Il nous amène l'espérance. He brings us the hope. Il nous amène l'espoir. Il nous amène la foi. Le Saint-Esprit, il nous amène ce qui nous donnera l'espoir de résister jusqu'à la vie éternelle. On peut se mettre debout, s'il vous plaît? Can we stand up, please? On va.